les couleurs Bollywood, donc c'est-à-dire orange et parme. Donc on a mis une nappe en tissu plutôt orangé, sur lequel on a mis une nappe en voile en organza parme, donc que tu mets en bouillonné sur la table. Quand je dis bouillonné, ça veut dire froissé de façon irrégulière pour donner du volume à ta table. Donc après, alors on a mis deux teintes pour rester toujours avec orange, parme. Donc plume, parme et orange, ça donne un côté léger et bon, pas la peine de surcharger, de mettre par gros paquet. Tu mets comme ça, de façon légère sur la table. Petite fleur. Oui, alors là, voilà, pour relever un petit peu la teinte parme clair, on m'a mis des fleurs violines en guirlande, comme ceci, sur le, qu'on a arraché. Et poser voilà, gentiment sur la table, dans le centre de table. Tu peux le faire aussi avec des fleurs naturelles. Oui, suivant la saison. Voilà, tu peux prendre des petites branches de dendro. C'est pas très cher. Et comme ça, tu peux mettre sur ta table. Tu as mis des petits cailloux. Alors, des petits cristaux, petits cristaux orange. Hein. C'est pareil avec la lumière, ça fait des jeux de lumière, ça donne un côté scintillant. Après, tu as les oranges séchées, les rondelles d'orange séchées, pour donner un côté exotique un petit peu. Naturel. Et puis naturel. Les bâtons de cannelle. Ouais. Mm-hmm. Donc, ça c'est pareil, tu en mets par-ci, par-là, pas trop. Pour pas que ça fasse trop chargé. Puis avec les odeurs aussi. Donc, tu as mis des petits pochons pour les invités. Alors les petits pochons, avec les petits bonbons, avec les petits bonbons. Donc bien sûr les petits bonbons orange, le petit pochon parme, ça fait le petit cadeau à tes invités. Donc là, bon, nous on a mis des bonbons, tu peux mettre des dragées. Oui. Hein? Voilà. Donc tu les mets sur l'assiette, ça fait tout de suite cadeau, les gens le voient tout de suite. Mmh. Hein? Après il y a le centre de table. Mmh. Donc centre de table en plexi rond, dans lequel tu mets de l'eau, tu mets tes bougies flottantes dedans. Et puis, pareil, des petits cristaux qu'on a mis dedans, et des petites fleurs, tu peux mettre les deux. Et puis bon, donc là, on a fait une petite décoration de serviette avec des petites pinces qui permettent de tenir ta serviette fermée. Et puis, ça donne tout de suite un éclat sur ta table. Donc bah, maintenant, il reste plus qu'à faire les invitations.